Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Forever Spotless. Aujourd'hui, on va réorganiser sous l'évier de la cuisine. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je pense que tout ce qui se trouve sous les éviers de cuisine ou les lavabos des salles de bain, ce sont des endroits qui s'encombrent très vite, donc il est vraiment nécessaire de ranger constamment. Je vais commencer par ranger toutes mes éponges dans cette boîte de InterDesign. Ça vient de InterDesign. Ce qui est bien avec cette boîte, c'est qu'on peut séparer les compartiments, voilà, comme ça. Donc, je vais commencer donc avec mes éponges. Voilà, j'ai terminé avec les éponges, voilà ce que ça donne, vraiment bien rangé et je vais les placer de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre cette boîte et je vais ranger les serviettes en microfibre. Voilà, maintenant je vais passer aux produits d'entretien. Voilà, je vais maintenant utiliser ce panier. Il a deux niveaux. Donc, ce qui est bien avec ce panier, c'est qu'il est qu'on a le contrôle en fait du mouvement. Voilà, comme ça. Donc, je vais commencer par le bas. Je vais y placer encore deux petits paniers pour mettre des éponges.
Voilà, sur la partie supérieure, je vais donc mettre des produits d'entretien comme ce liquide vaisselle. Il y a aussi le Lysol pour désinfecter. Tous ces produits, on peut les trouver en grande surface, donc dans les supermarchés. Et enfin, le dernier élément, ce sera ce Lazy Susan. Voilà, ça tourne, c'est un plateau qui tourne et je vais y placer des produits d'entretien aussi. Voilà, donc le nettoyant pour granit, le nettoyant pour le frigo, un peu de vinaigre, voilà. Voilà, la surface est déjà nettoyée. Donc je vais commencer à ranger tous mes produits. Je vais commencer par ce panier à deux niveaux. Voilà les amis, c'était mon thème pour aujourd'hui. Je pense que tous les endroits de la maison ont besoin d'organisation, même si c'est sous l'évier de la cuisine. Je vous rappelle que ma chaîne est dédiée à l'entretien, au rangement, à l'organisation, à la décoration. Et encore une fois de plus, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à activer la cloche de notification. Entre-temps, portez-vous bien et on se revoit pour une autre vidéo.